C'est pas trop dur? Et non, parce que l'hiver, ils viennent des gens d'Estillières, de Saint-Cyr, de Rieutort, et même qu'ils fassent beaucoup de la tourmente, ils viennent quand même ici. Ils viennent discuter avec moi, et ça fait qu'on passe une heure là, au mois de Vention, et puis ils repartent pour se rendre de nouveau et dans les maisons de la campagne ou dans des hôtels à Saint-Cyr, puis ils restent 8 jours. Ou 15 jours, ils restent et ils viennent tous les jours me rendre visite chez moi pour ce que ils m'estiment, parce que je suis un bon vivant et ça fait quoi. Et bien, ils me considèrent que je suis un homme honnête et ça fait quoi. C'est quoi alors la bure? Eh bien, c'est de la neige qui tombe en tourbillon. C'est la tourmente alors? Oui. La vraie tourmente qu'on voit ni ciel ni terre. Ah oui. Et quand il fait 20 degrés au-dessus de zéro, et bien les gens, ça ne lui fait pas peur de rester, même qu'il fasse très mauvais temps. Et ils arrivent chez moi, ils se reposent, ils se chauffent. Et puis. Et les gens qui font du ski. Qui font des skis de fond, qui s'exercent pour faire la course quand ils viennent au moins à la fin février, qui font 62 km de la Chalade jusqu'à la Chambre-Raphaël, ils font. Ah oui. Ou Sainte-Lalie, ça dépend. Et ça leur arrive de se laisser prendre par la tourmente. Ah oui, ça arrive, et il y en a qui se font mal, qui se coupent les jambes, il y en a des personnes. Et ça fait que ces gens, eh bien, s'ils tombent le voir, ils se cassent une jambe. L'an passé, il y en a 3 ou 4 qui se sont coupés la jambe. Et bien, après, il faut faire 6 mois d'hôpital, après. À ces gens-là, alors, tu leur prépares du vin chaud? Eh bien, oui, pour les réchauffer quand ils transpirent. Et ça fait qu'ils boivent du vin chaud, bien sucré. Et puis, ils restent 1 heure ou 2 fois 1 heure et demie, et ils repartent de nouveau faire 20 ou 30 kilomètres pour se rendre à Saint-Cyr, ou à Isclade, ou à Rieutort, ou les Sagnes-Goudoulées. Ça fait quoi? Eh bien, mais c'est une vie pénible faire ça, faire des skis de fond, parce qu'il faut être, jeune. Il faut pas avoir, il faut être souple pour faire des skis. Et il en vient du quatre coins de la France, il vient. Même de l'étranger? De la Suède, du Danemark ils viennent, de l'Yougoslavie, de la Tunisie ils viennent ici. Ça fait que les gens ils sont contents d'arriver sur Ozoulette, qui estime le village de Ozoulette, qui sait bien, qui sait plat. Et ils estiment Clovis aussi. Ah oui, Clovis il estime, il est connu de partout, Clovis. Tout le monde parle de Clovis, c'est pour ça que. T'aimes bien alors, moi, les gens de... Oui, oh, mais les gens, c'est pour ça que les gens. Et comme je suis un homme honnête, ça fait qu'ils m'estiment, tu lui appelles Clovis quand t'arrives. Ils sont contents de te voir. Oui, mais encore. Ils t'amènent à boire aussi, des fois. Oui, ils m'apportent de tout. Ils m'apportent de fois quand ils viennent, ils me demandent qu'est-ce qui te manque, Clovis. Et il me manque ça, mais faut porter ça. Et bien, je le porterai, demain on le portera.
On dit bien le plateur de choix, mais l'hiver est dur. Tu vois bien, à cette époque, il y a 50 cm de neige. Hey, c'est ce qu'il faut qu'ils habitent sur les plateaux. L'hiver est long, 7 mois d'eau. À partir du mois de novembre jusqu'au mois de mai, l'hiver. Et ça fait quoi et les personnes, il n'y a qu'une personne à chaque maison. Le pays a déserté. Et les touristes, c'est pas ça qu'ils feront. Au contraire, ils font disparaître les gens. Ils s'emparent des propriétés, ils ne payent rien du tout. C'est pour ça que les paysans qui sont attachés depuis leur naissance jusque sur le plateau des Joies, là, ils ont le mariage solide. Et quand il n'y en aura plus les types d'eau qui ont 70 ans, qui seront disparus de la montagne, qui les remplacera les vieux? Personne. Il n'y a pas un jeune qui viendra dans la ville pour remplacer les vieux qui sont encore à cette époque, qui sont vivants. Et quand ils seront partis, et bien tout le plateau de soie, il n'y aura personne, il n'y aura pas de boulanger, ni rien du tout, ni d'épicerie, rien. Et bien, ce sera le déluge qui s'approche. Comme il peut arriver une seconde fois après le déluge. Mais c'est vrai, ça. Comme là, je dis, les inondations, ça commence bien. Et bien, quelques moments, les plateaux avec les cratères, les volcans, ils vont faire disparaître toutes les montagnes. Et ça fait que ça ne durera pas toujours cette vie. Ou il faudra qu'il change un jour. Mais il ne changera pas. C'est que quand les maisons de les anciens paysans qui seront détruits de tout, il n'en restera plus les paysans. C'est fini. Il n'y aura pas une bête, rien pour manger. Et bien, il y en a bien les jeunes qui sont les générations jeunes. Et bien, il faudra bien qu'ils recommencent à zéro. Mais ils n'ont pas le moral de travailler la terre. C'est ça quoi. J'ai dit bien. Puis on dit bien les paysans, l'État, L'État, il promet bien, mais il faut les rendre les sous. Les jeunes, ils s'en prennent 10 millions ou 20 millions, il ne peut pas les rendre, il faut travailler sa vie. Et les impôts qu'on paye. Les impôts, c'est affreux, les impôts qu'on paye. Ici, sur le plateau des choix. Il n'y a pas un autre endroit, c'est que dans les bonnes cultures, ils ont 4 ou 5 récoltes, et nous autres, on a cuit. Il y a 3 ans qu'on n'a pas eu du fourrage. Eh bien, comment on peut résister? On ne peut pas résister le fourrage, il n'y en a pas du tout.